Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Je suis le frère Freddy du groupe La Voix de Zoli, ici à Bruxelles. Je suis aujourd'hui devant vos écrans pour vous dire et vous annoncer un événement pour le grand roi. Nous avons un événement qui va se dérouler le 10 décembre, ici à Bruxelles même. Et je pense de venir vous annoncer cet événement. C'est un culte d'adoration pour adorer notre Seigneur Jésus. Pour lui dire ce qu'il est pour nous. Pour lui dire tout notre amour. Pour exprimer notre amour envers lui. Voilà pourquoi c'est cet après-midi ou ce soir, où ce matin, je me présente encore devant le monde entier et précisément au peuple de Dieu, de dire que nous avons un jour de célébration, d'adoration, du culte. Nous voulons en fait partager ce moment. Nous voulons à ce que tous nous venons pour adorer Dieu, pour lui dire ce qu'il est pour nous. Nous savons que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et nous voulons aussi à ce que nous puissions l'adorer. Voilà pourquoi nous avons organisé cette journée de 10 décembre à 16h. Ça va se dérouler ici à Bruxelles et précisément dans la salle à laquelle où je me trouve. L'avenir Skeet numéro 56 à 1070 Anderlecht. Vous avez le métro Jacques Brel en face et vous avez le bus 86 qui passe aussi tout près. Donc, je vous invite tous, bien-aimés, de venir adorer le Seigneur avec nous, de venir élever le trône de Dieu. Le trône de Dieu a changé ta vie. Le trône de Dieu a changé ta famille. Le trône de Dieu a pensé à toi. Et voilà qu'il est temps aussi que tu penses à ce trône de Dieu. Donc, ça serait une journée uniquement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et j'aimerais aussi parler de ce que le concert qui aura lieu ou le culte d'adoration qui aura lieu ici, ce n'est pas la sortie officielle de notre album, mais cela est vraiment le cœur d'amour pour exprimer ce que Dieu est pour nous et ce qu'il a vraiment pour nous. Alors, voilà pourquoi ça ne serait pas la sortie officielle, bien sûr, de notre album, parce que la sortie officielle de notre album aura lieu au mois de février. Ça serait vraiment au mois de février, et là, nous viendrons encore pour louer, célébrer, adorer le grand roi. Je vous annonce déjà que c'est une journée qui est gratuite. La journée du 10 décembre, c'est une journée gratuite. Mais ce que je demande, c'est que devant l'Éternel, on ne s'approche pas mais vite. Donc on apporte quand même, comme le roi mage a apporté aussi l'or et l'argent à celui qui les mérite. Alors c'est la raison pour laquelle je vous demanderai à ce que nous n'avons pas fait payant cette journée. Nous n'avons pas demandé le frais d'entrée, mais nous avons demandé à ce que le cœur de chacun s'exprime devant l'Éternel en offrant aussi ses biens. Vous savez que nos biens aussi doivent adorer l'Éternel. Notre argent doit adorer Dieu. C'est la Bible qui nous le dit. La Bible dit que moi, ma maison et tous mes biens, nous servirons l'Éternel.
Donc, sers l'Éternel avec ton argent, sers l'Éternel avec tes biens, sers l'Éternel avec ta famille. Et ces jours-là, j'invite aussi nos familles de venir adorer Dieu ensemble avec nous. Vous ne serez pas déçus. Peut-être que vous voulez une chanson qui va peut-être vous mettre déjà le puce à l'oreille. Vous voulez une chanson qui va déjà vous mettre la puce à l'oreille. Attendez, je vais vous chanter une chanson. Une chanson qui me tient vraiment à cœur de vous l'annoncer. Cette chanson, c'est une chanson qui dit « Si je vis, c'est pour t'adorer. Si je vis, c'est pour te dire ce que tu es. » Alors j'aimerais dire que venez ces jours-là. S'il y a quelque chose que je veux, c'est de t'adorer. S'il y a quelque chose que je veux, c'est de t'adorer. Moi je ne vis que pour t'adorer. Moi je ne vis que pour t'adorer. Ooh. 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 Voilà bien aimé, ces jours-là ne manquez pas. Venez nombreux, venez avec vos enfants, venez en famille et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Vous savez, devant le trône de l'Éternel, il n'y a manque pas une bénédiction pour toi. Je t'invite encore, bien-aimé. Je t'invite encore, ma soeur, mon frère. Je t'invite encore, jeune. Viens devant la présence de Dieu et le Seigneur te bénira. Voilà, c'est tout ce que j'avais vraiment à vous annoncer à ce jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, vos enfants, vos maris et vos femmes. Et on se dit à très bientôt au nom de Jésus. Merci. Au revoir.